ne construit pas une ville sans hammam. C'est comme la boulangerie. On peut vivre sans pain. Non, on ne peut pas vivre sans hammam. C'est la même chose. Le hammam traditionnel pour un Marocain est indispensable. C'est un lieu d'échange, un lieu culturel, un lieu d'hygiène. Donc 80% à 90% de Marocains visitent un hammam minimum une fois par semaine. Inscrits dans la culture et dans le cœur des Marocains, les hammams semblent avoir un bel avenir devant eux. D'autant qu'ils participent grandement à la vie économique du pays en employant pas moins de 200 000 personnes. Pourtant, les hammams sont énergivores. La surconsommation de bois et d'eau participe à l'épuisement des ressources. Leur chaufferie et quelques mauvaises pratiques augmentent les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Enfin, localement, les fumées nocives dégagées par la combustion du bois affectent la santé des riverains et celle des employés. Alors comment faire pour que ces hammams perdurent dans le paysage marocain tout en respectant l'environnement ? Comment conjuguer l'écologie avec une logique de rentabilité et le maintien des traditions ? C'est à ces problématiques que répond le programme Hammam Durable au Maroc. Lancé il y a 2 ans par les ONG Jerès et Ensen, avec le soutien du Fonds français pour l'environnement mondial, il a pour objectif de diminuer leur pollution en les modernisant. Ce programme consiste en la transformation des hammams traditionnels en éco-hammams. Le principe de fonctionnement d'un hammam est simple. Une chaudière chauffe à la fois l'eau sanitaire et, grâce au transfert de chaleur, les salles pour le bain. Pour se moderniser, il existe plusieurs solutions innovantes parmi lesquelles l'exploitant peut choisir. Au cœur du dispositif, la chaudière. Le programme propose son remplacement par une chaudière à haute performance énergétique à laquelle se greffe un plancher chauffant. L'objectif est de réguler et de rationaliser le chauffage de l'eau. Les pertes de chaleur sont limitées et les conditions de travail du technicien assainies. Le Fernachi est d'ailleurs formé aux nouveaux instruments qui accompagnent cette modernisation. Le combustible lui aussi s'adapte. On utilise désormais des déchets végétaux plus performants et moins polluants pour remplacer le bois. À cela s'ajoutent des actions complémentaires simples, démontables et moins onéreuses, comme l'isolation des tuyaux, la récupération de la chaleur des eaux usées et l'adoucissement de l'eau. Enfin, l'installation de capteurs solaires thermiques permet le préchauffage de l'eau, diminuant ainsi les besoins en combustible. Pour moderniser leurs établissements, les propriétaires peuvent compter sur les ONG Jerès et Ensen, qui, du financement au conseil, en passant par le suivi de la mise en œuvre de chaque projet, apportent leur expertise afin d'assurer les performances du bain rénové. Suite à la rénovation du hammam, les économies sont considérables, ce qui fait qu'on arrive facilement à rentabiliser notre investissement. Et en plus, on utilise un combustible propre. Donc ce n'est que bénéfique écologiquement pour le pays et ainsi pour tout le monde. Ce programme est gagnant-gagnant. La démarche adoptée par le programme Hammam Durable montre que tout en étant écologiquement responsable et pérenne, les hammams rénovés sont désormais plus rentables et offrent aux Marocains un avenir vert dans le respect de la tradition. Désormais, le défi est d'étendre les investissements aux 10 000 hammams du Maroc.